Edouard Aketsi, tu es l'event manager du Créole Day. Ça veut dire que c'est toi qui as coordonné l'organisation de cet événement. Alors, j'aimerais savoir ce que cet événement impliquait en termes justement d'organisation. Combien de temps ça a pu vous préparer pour la salle, etc. Que tu peux nous expliquer rapidement? Ok. Bonjour, bonsoir. Et oui, donc l'événement a demandé surtout de temps d'organisation, de patience. Il a fallu chercher la salle, il a fallu s'occuper de la logistique, chercher des volontaires pour nous aider le jour de l'événement, mais aussi derrière, trouver des stands, trouver des artistes. Il a fallu chercher du financement. À ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a encore des choses perfectibles éventuellement? Tout à fait, je pense que c'est un événement réussi, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de s'améliorer, il y a toujours moyen de faire mieux. Et donc, dans une semaine, on aura un meeting pour faire un débrief et là, on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on organise un événement encore plus grand avec encore plus de monde. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tous ces gens rassemblés autour du créole dans une salle? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique énormément pour moi parce que je crois énormément en ce projet. C'est pour ça que je me suis investie autant. Et donc, moi, je voulais absolument réunir toutes les communautés de créole ensemble. La Dominique, Maurice, la Martinique, la Guadeloupe. Ça me fait chaud au cœur de voir des gens venant de toutes ces villes. D'accord. Alors un dernier mot pour les lecteurs de Puy à Vin, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Ben, bonne